Dernier développement de la catastrophe. Les arbres sont calcinés. Aucun pont n'est en état. L'air est toxique. Les réserves naturelles d'eau sont non potables. La nourriture se fait de plus en plus rare. Le manque d'hygiène et le cloisonnement des survivants causent de graves maladies. À ce sujet, l'Organisation des Nations Unies recommande à tout le monde de ménager ses chandelles, la nourriture et l'eau potable, et de vous entraider afin que le maximum de personnes puissent être secourues dans les plus brefs délais. En terminant, on vous demande de faire des signes de vie afin de faciliter la localisation des survivants. Mais surtout, ne paniquez pas. Pour vous aider à garder le moral, on continue en musique. D'espoir se pointe à l'horizon. La nature reprend vie. La reconstruction des villes a débuté. Des ponts sont reconstruits et des puits ont été creusés afin d'acheminer l'eau potable. La majorité des gens ont été secourus et parmi eux, un nouveau-né avec un désir de vivre si intense qu'il est devenu l'image de l'humanité qui renaît.